Le cinéma s'est souvent intéressé à l'école, mais le troisième et dernier film français entré aujourd'hui en compétition ne ressemble à aucun autre. Toute l'équipe du film de Laurent Campet, Entre les murs, s'est déplacée à Cannes. Un grand moment, cette montée des marches, surtout lorsque l'on n'est pas un comédien professionnel et que l'on est encore dans l'adolescence, au collège. La joie d'être à Cannes, à la veille du palmarès, le reportage de Dominique Poncet et Laurent Fabius. Le professeur autoritaire, compréhensif. Découvrir qu'on parle de vous dans la presse nationale. 24 élèves, garçons et filles. Et surtout être là, au Festival de Cannes, en compagnie des plus grands professionnels de cinéma du monde. Ces adolescents, tous issus d'un collège du 20e arrondissement de Paris, n'en reviennent pas. Et pourtant, c'est le dénouement inespéré d'une aventure qui a démarré pour eux l'été dernier. Quand on leur a demandé de tourner dans un film tiré d'un livre écrit par François Bégodeau sur son expérience de professeur de collège. Ouais, ça aurait pu passer par moi quand même, non ? Un film en forme de vrai faux documentaire qui frappe par son réalisme. Dans les deux sens, figure-toi. C'est pareil, absolument pas. Et vous attendez quoi en le faisant ? Vous savez plus. Ça a une force brute de réalité, simplement le réel ça se fabrique. Hein. On l'a fabriqué ce réel, hein. On l'a constitué la classe, on a fabriqué les scènes, c'était de la fabrication. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba Fus. Dans ce film donc, tous les personnages jouent leur propre rôle. Ce sont des vrais profs qui incarnent les profs, et donc des vrais élèves qui interprètent les élèves. Et tant pis si le film met le doigt sur les lacunes et les travers de ces derniers, ils assument. Même ma grand-mère, elle parlait pas comme ça. Même ton grand-père, il disait pas ça. Mais voilà, c'est dans le Moyen-Âge, ça. Une classe, c'est ça maintenant, quoi. C'est plus... Enfin, il y a de la discipline, mais... C'est un peu de la discipline relâchée, on va dire. L'ambiance, elle est exactement comme elle est décrite dans le film. J'ai trop aimé le tournage, parce qu'on ne nous demandait pas d'apprendre des textes et tout, c'était de l'improvisation, on se cassait pas la tête et tout, franchement, c'était bien. Projeté ce matin, ce Entre les murs, sélectionné in extremis pour la compétition, a impressionné la Croisette par son extraordinaire justesse de ton. Laurent Cantet filme une classe, et dans le champ de sa caméra, apparaît soudain tout le désarroi des adolescents d'aujourd'hui. Ce qui rend sa chronique non seulement passionnante, mais touchante, à l'image de la montée des marches aujourd'hui de toute l'équipe du film.